Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ça va être un nouveau gameplay sur Overwatch. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au petit chacal. Un chacal, un défenseur très efficace et très puissant, que ce soit en défense ou en attaque, même s'il est un petit peu plus puissant en défense. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est dans un rôle de défenseur. Donc on a une petite compo plutôt moyenne. Moi, en tant que défenseur principal, on a deux mails, il me semble, avec un petit Bastion et un tank avec un healer. Lucian healer, c'est très cool pour l'équipe, ça heal très facilement justement vu que ça utilise des zones, donc c'est très bien pour heal, c'est plutôt pratique. Par contre, deux mei, j'ai jamais vu ce genre de compo en compétitif, puisque de toute façon en compétitif on peut pas avoir deux fois le même personnage. Mais bon, il manquerait peut-être un petit tank, peut-être à la place d'une mei ou à la place du Bastion, parce que c'est clair que Bastion, même si c'est très fort à la défense, il suffit qu'ils aient un Genji en face et il se fait déglinguer, ou une Symmetra par exemple. Donc Bastion, c'est, au début je jouais un petit peu ce personnage, mais maintenant je ne le joue qu'en situation très critique, quand de toute façon on est en train de perdre et qu'il faut vraiment un très haut DPS, parce que c'est le personnage avec le plus haut DPS du jeu. Et bah, j'ai voulu tout simplement et voir si ce personnage pouvait nous sortir de situation. En l'occurrence, il peut nous sortir de situation assez méchante entre guillemets. Il peut nous sortir de vraiment de situation très mauvaise. Donc là, il y a la petite Pharah. Pharah, un des contres de mon personnage, puisque justement elle vole, c'est quasiment impossible de la viser. C'est très compliqué de la viser, cette petite Pharah. Mais je l'ai eu, nickel, on l'a eu. Donc je disais, le Bastion, même s'il a le plus haut DPS du jeu, moi je ne le joue maintenant qu'en situation critique, quand à la fin on a besoin de défendre et qu'il nous reste que quelques secondes et que les mecs sont en train de gagner, on passe un Bastion. Si on arrive à se poser, il y a quand même moyen qu'on réussisse à tuer un ennemi ou deux, et ça peut toujours être pratique pour l'équipe. Donc pour l'instant, c'est un début de partie plutôt convenable. Oh, nouveau kill, tranquille. Oh, c'est un petit début de partie convenable, même s'il squatte le spawn. Ah bah je suis mort, nickel. Voilà, en fait c'est plus un parti de convenable, c'est un début de partie nul là, je suis décédé. Je suis déçu. Mais bon, c'est pas bien grave, on va voir ce que ça va donner. Donc faut qu'on y retourne. Hein. J'ai le skin de Shackalstein, je l'ai droppé dans des coffres. Là, je suis en train de vous préparer un petit peu un nouvel opening de coffre, puisque le premier vous avez plu. J'ai 8 coffres ou 9 déjà. Il me semble que j'en ai 8 d'Halloween et 5 ou 6 normaux déjà. Et 1 ou 2 normaux, pardon. Et donc j'aimerais en avoir 5 ou 6 normaux pour pouvoir vous faire un petit opening. Alors là, petite traceur, faut faire gaffe, on balance la mine, on la touche, mais elle s'est barrée. Elle s'est barrée. Faut toujours faire attention à la traceur, parce qu'elle est très 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 chiante. C'est un personnage super chiant. Quand t'es face à un ennemi qui sait jouer traceur, tu te fais tout simplement exploser. Hop, nouveau kill. J'ai eu la Pharah de nouveau. Je sais plus si c'est la même tête qu'ils en ont deux, je sais pas du tout. J'ai pas vérifié leur pic là. Qu'est-ce qu'on a là? C'est Mei. Mei, oula, il y a tout le monde qui squatte. Là, je pense que je suis niqué. Non, merci au mur qui m'a sauvé. Faut qu'on fasse gaffe. J'ai l'ulti, on y va. Nickel. Alors j'en ai eu 2, 3, petite triple. Allez, 4, nickel. Wow, série de 5 victimes. Putain, là on est chaud là. Là on est pas mal là. Là on a fait une petite action sympa. On va voir, on continue. Là vous voyez, j'ai la tête en feu. Donc ça veut dire que je suis en train d'exceller dans la partie. Et puis bah ça y est, je l'ai plus en feu dans quelques secondes. Rip. Ah non, mais je la garde quand même pas mal de temps, hein, même si ça diminue. Ah voilà, je l'ai plus. Oula, je me suis pris une balle là. Je sais pas du tout. Oula, je vais me faire nique. Faut que je fasse gaffe à l'autre qui balance ses pics, parce que ça fait mal. Elle m'a défendu. Ouais, en face, ça va. Ils attaquent quand même plutôt bien. Ils sont quand même assez agressifs. Oula, attention, lui part. Jarte. Petit chopper avec son ulti. Ça, c'est super cool avec la mine. On peut faire jarter des ennemis. Ça, c'est excellent avec la mine. J'adore jouer avec cette mine. Elle est vraiment énorme, et justement contre des Pharah qui volent également, ça peut être un bon truc vu qu'on a une bonne portée pour la mine. Faut juste faire très attention. Donc là, je vais balancer un piège dans l'espoir de réussir à la distraire. Mais bon, oula, attention, j'ai tout foiré. Là, je pense que voilà, je suis de nouveau mort. Stratis victime. Bon, c'est un début de partie, enfin plutôt correct, on va dire. Enfin, c'est plutôt un début de partie maintenant, mais bon, c'est plutôt convenable, même s'il y a mieux. Je vais essayer de me rattraper. J'aime bien ce skin d'ailleurs de Shackalstein, parce que j'ai l'impression d'avoir une arme en or. Arme en or que l'on peut débloquer lorsque l'on a fait, je crois, 300 victoires, il me semble, en partie compétitive. Si je ne m'abuse. Donc j'ai l'impression un petit peu d'être fort, mais en fait, non, pas du tout. Donc on va voir. J'ai l'ulti, on l'utilise. Oula,
Nickel, petite double, je pense. Là, il y a la Pharah qui utilise son ulti. Va falloir qu'on la. Il y a deux Pharah, ouais, c'est parce que. Une Pharah down. Ok, il y en a une. Vous voyez, avec la mine, c'est très pratique. Oula, là, faut que je fasse gaffe. Va falloir peut-être que je me sacrifie. Non. Nickel. Mon équipe, oula, il faut qu'on fasse gaffe à la Pharah. La Pharah très très chiante. Mais avec mes boules, c'est quasiment impossible que je la tue. Si j'arrive à la tuer, c'est. Soit que je suis trop fort, ce qui n'est pas le cas. C'est surtout alors si j'arrive à la tuer, de la grande chance. En tout cas, si j'arrive à la tuer avec. Avec mon. Ok, elle est morte. Avec mon lance-grenade. Donc là, on continue de bombarder. Hein. J'adore vraiment Chacal, c'est un de mes mains. Même si c'est clair que c'est un personnage que beaucoup de gens. N'aime pas trop puisqu'il est un petit peu considéré comme cheaté, puisque même s'il se fait tuer assez rapidement, il n'a pas besoin de se montrer pour pouvoir justement tuer les ennemis. Et puis même, il a un DPS vraiment pas... Ouh, putain, je l'ai eu. Il a un DPS vraiment plutôt sympathique, donc c'est un personnage que pas mal de gens trouvent cheaté. Pour ma part, je le trouve. C'est clair que quand il y en a en face, il est assez chiant, donc il peut être assez cheaté, mais... Si on met par exemple là, en face de moi, par exemple, un chopper qui l'attrape, il est mort, par exemple. Une ulti de Macri, il est mort, par exemple. Ou une sniper qui arrive à viser et le chacal est également mort, par exemple. Donc c'est un pick qui est vraiment très efficace, qui arrive à bien défendre, à bien attaquer. Mais il faut faire quand même bien bien gaffe. Oulala, là là, mais je suis dans le dos. Mais ils sont nuls. Ok. Bon bah là, va falloir prendre le point, va falloir pas que... Je m'en fous, je reste sur le point parce qu'il me semble... Non, on les a tous déglingués presque. Faut faire gaffe, Pharah. Ok. Ça y est, il y en a une qui est morte. Oula, je vais mourir, je pense. Oula, non. Putain, il me reste 2 HP. On se soigne. Faut toujours essayer de se soigner. Hop, petite soigne à 10 victimes. Et là, je pense que c'est bon. Yes. On a gagné. Yes. Un petit GG. On lâche un petit GG. Tranquille. 30 kilos. Avec moi dans la tombe, tout simplement. Donc, c'était plutôt sympa. Ah, j'ai l'action de la partie. Nickel. On va voir qu'est-ce que j'ai fait. Je pense que c'est peut-être l'action. Ah non, c'est pas l'action que je pensais. Là, ça va être la une quad, je crois. Une double. Après, il va y avoir la triple. Et puis après, la petite quad. Si l'action dure assez longtemps. Ouais, je pense, ouais. Nickel, une petite quad. C'est pas mal. Donc voilà, les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Sur un petit gameplay. Il me semble que c'était en 19-2. Donc, petit gameplay plutôt sympathique. Avec notre petit chacal. Je vote pour moi parce que je suis un gros con. Puis voilà, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez!